Madame, assez votre détox. Merci. Madame, je vais arriver avant vous. Cette jeunesse toujours pressée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? J'ai une crampe. Oh, j'ai pas envie de me moquer de toi, mais cette jeunesse là, tu dis que tu vas arriver avant moi. Dans certaines situations, il ne suffit pas d'arriver vite, mais bien arriver. Communique avec ton muscle, ça va passer. Ok. Dis à ton muscle de te détendre. Communique avec ton muscle, voilà, ça va passer. Juste quelques minutes. Et quand ça passe, tu me trouves au bureau. Oui, ça va bien, je sais pas. Alors, dis-moi, est-ce que tu as informé madame par rapport à ton développement? Franchement, pas encore. Ah ouais? Ah ouais. Mais comment ça? Tu sais que tu dois voyager dans deux jours et tu ne réponds pas? Oui, mais bon, je ne vais pas en fait la décourager vu qu'on organise les awards. Allô, Amir. Amir, ça va? Tu dis quoi, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, Amir, tout à l'heure, je sortais des toilettes et j'ai entendu ta conversation avec Créole. Tu dis que tu dois voyager dans deux jours, c'est ça? Oui, effectivement, je dois voyager dans deux jours. Mais c'est... je ne voulais pas en fait vous décourager dans l'organisation des Afri Business Awards. Parce que j'ai une urgence familiale que je dois rentrer régler rapidement en Afrique. Donc, je cherchais le bon moment pour vous expliquer. D'accord. Alors, parlons de décourager ou de se voir. Tu sais que notre slogan, c'est... Never give up. Voilà. Ne jamais abandonner. Alors, j'aurais aimé que tu m'en parles sans avoir peur ou sans chercher le bon moment. Ouais. Voilà, c'est une histoire familiale. Je sais que c'est important. Et... aussi, j'ai arrêté depuis un bon moment d'être déçu par des personnes, en fait. Je cherche toujours à comprendre pourquoi on pose certains actes. Ouais. Voilà. Et comme c'est pour une affaire de famille, t'inquiète pas, je pense qu'on peut travailler à distance, sauf si tu n'es pas disponible étant en Afrique. Bien sûr que je reste disponible. Madame, le plateau est prêt. L'invité est déjà bien installé, on attend que vous. D'accord, let's go. Bonjour et bienvenue sur Afri Business TV. Nous sommes avec Monsieur José Kabore. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci bien. Alors, sans plus tarder, qui est Monsieur Kabore? Ok, je suis José Kabore et je suis gestionnaire de formation et également promoteur de l'entreprise Conception Merveille qu'on appelle également Cerveille. D'accord, alors qu'est-ce que Cerveille fait? Cerveille est spécialisé dans le domaine des bâtiments et des travaux publics et elle offre plusieurs services tels que
la conception des plans et la réalisation des devis des différents bâtiments et constructions, également la réalisation des travaux de construction de bâtiments publics et privés. Et quelle est la raison de cette visite? Ok, merci. Effectivement, nous sommes à Dubaï. C'est dans le cadre de renforcer nos capacités. Et cela a été possible par l'université UNICAF qui a organisé un cadre de rencontre entre plusieurs participants, au moins une vingtaine de nationalités, qui a été un cadre de partage d'expériences, de réseautage également. Cela nous a permis également de voir ce qui se passe réellement à Dubaï et voir dans quelle mesure cela peut nous être utile dans nos pays. Nous savons que c'est un domaine qui est beaucoup développé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Effectivement, nous essayons d'évoluer autant que possible en fonction de l'environnement que nous offre l'évolution. Et dans ce sens, il faut que nous évoluons avec l'environnement. Sinon, il n'y aura pas la possibilité d'être performant. Et c'est dans ce sens que nous travaillons à avoir la confiance de nos clients en leur permettant d'être satisfaits totalement. Également, nous réalisons exactement ce qu'ils réfléchissent. Et également, nous collaborons franchement et nous permettons que les délais qui nous ont été donnés soit respectée et la qualité également. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier message. Ok. Nous disons merci à Afri Business TV et qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Également, nous voulons dire merci à tous ceux-là qui ont déjà eu à nous faire confiance. Je parle de nos clients et nous voulons inviter ceux-là qui voudraient, qui ont le désir de réaliser quelque chose dans le domaine des bâtiments et des travaux publics, de nous faire confiance et ils ne seront pas déçus. Merci. Le message, il est bien passé. Alors, pour votre satisfaction du sur-mesure, contactez Serveille. Merci à Serveille pour la confiance. On vous souhaite plein succès dans vos activités. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien sans oublier de contacter la structure Conception Merveille pour vos besoins. Ah, on dit quoi, ça va? Ça va. Tu fais comment? Ah, mais super, hein? Super, t'as bien géré en tout cas. Toi, tu es un professionnel, je te fais confiance. On espère que l'entrepreneur sera satisfait. Mais vraiment, hein, ouais. Grâce à Dieu, on arrive à pouvoir avancer dans le projet. Ouais. Bah écoute, on n'a qu'à se donner la force et on espère que les choses vont bien se passer. Ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Voilà. Ça va bien se passer. Oui. De toute façon, N'oublie pas, demain, on a rendez-vous avec l'ambassadeur. Ouais. Et je vais demander à Amir d'appeler pour confirmer. D'accord, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas, hein, tu as fait souffrir Amir aujourd'hui. Là. Il a marché pour le micro, fatigué. C'était son jour. Comme il voyage dans 2 jours, là, il faudra qu'il fatigue. Voilà. Ok, d'accord.